Je m'appelle Thérèse Kozlik, je viens d'avoir 77 ans. On est arrivé à Hérouville avec mon mari en juin 1967. On est arrivé aux belles portes, dans une barre d'immeubles qui était face au quartier du Grand Parc, qui n'existait pas, qui était une friche. Il n'y avait rien, strictement rien. Dans le quartier des belles portes, il n'y avait pas beaucoup d'immeubles construits quand on est arrivé. Mon mari travaillait à la SMN. Et il y avait des logements qui étaient attribués à la SMN, à la SNCF, à la radiotechnique. Et donc, on a bénéficié d'un logement comme ça. On avait un F2. Alors, il y avait le confort, parce qu'on venait d'une petite habitation où il n'y avait pas de confort du tout. Vous étiez déjà sur Caen auparavant On habitait Caen, oui, on s'était marié l'année précédente. Et il y avait très peu de logements à l'époque. C'était très compliqué de se loger. Alors, on avait été contents d'arriver sur Hérouville avec le confort, le chauffage, la salle de bain. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. C'était vraiment bien. Un bel appartement, très clair, agréable, sans ascenseur. Alors, quand on a eu un enfant, ça a été un peu compliqué parce que... Vous étiez à quel étage ? Troisième étage. C'est quand même pas facile. À l'époque, il n'y avait pas les porte-bébés comme maintenant. Après, on a demandé un autre logement parce qu'on envisageait un autre enfant. On a demandé un autre logement et on était dans la tour du 1010. Et nous, on était là au septième étage, avec ascenseur, heureusement. Il était quelques fois en panne, pas trop souvent, mais enfin, non, ça allait bien. Et là, le quartier était déjà un peu plus construit. Il y avait déjà le petit centre commercial, mais le petit centre commercial, je ne sais plus quand on est arrivé, je ne me souviens pas trop ce qu'il y avait au centre commercial. Mais très vite, il y a eu un coiffeur, un salon de coiffure qui existe toujours d'ailleurs. Vous n'êtes pas la première personne à nous en parler, c'est rigolo. Marcel Lefebvre, c'était le coiffeur qui a été le premier à tenir ce salon de coiffure. C'était un salon de coiffure pour hommes. Après, il y a eu le salon de coiffure pour femmes. Et puis là, il y a eu après tous les commerces. Alors, quand on est arrivé sur Hérouville, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de transport en commun. Il y avait la route de Ouistreham, mais il y avait juste deux voies. Et alors, mon mari allait à la SMN en mobylette, à l'époque, comme beaucoup de gens. Et on avait une voiture, et moi, j'allais au travail en voiture à Caen. Je travaillais à Caen, donc... Alors, très vite, les gens qui sont arrivés sur Hérouville ont été des gens ont eu envie de construire des choses, et il y a eu très très vite une association, l'association de quartier des Belles Portes. Moi, c'est vrai que, bon, ayant eu très vite mon fils, je n'avais pas le temps entre mon travail et mon enfant. Et vous aviez trouvé un mode de garde, justement ? Oui, alors j'avais trouvé une nourrice. Alors au départ, j'avais eu une nourrice dans l'immeuble, et puis on a eu quelques petits soucis. Donc après, j'avais trouvé une nourrice à Montmorency. Le quartier Montmorency était déjà bien construit. Bon, ben, j'emmenais mon fils chez la nounou, puis après, j'allais au travail. Et mon mari, donc, a rencontré très vite des gens sur Hérouville, enfin, Jean-Pierre Nopre, par exemple, qui nous a quittés là le mois dernier. Claude Touzan, qui est parti, lui, il y a bien, bien longtemps. Puis d'autres, parce que, bon, évidemment, ils n'étaient pas que tous les trois. Et ils ont monté des tas de choses sur Hérouville. Ils faisaient des actions, ils faisaient des tas de trucs, enfin, pour que des choses se mettent en place, quoi. Donc, après, on est allé au 1010, là. Et puis, bon, comme tout couple, on a eu envie d'acheter quelque chose. Alors, la question, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Mon mari n'était pas très partisan qu'on s'éloigne d'Hérouville parce qu'il trouvait qu'il y avait plein d'avantages. Parce que la ville s'était déjà construite, il y avait déjà des choses, il y avait déjà les transports en commun, il y avait la proximité du CHU. Et puis finalement, on a décidé de rester sur Hérouville parce qu'on a réfléchi, on s'est dit, mais après, pour les enfants, c'est quand même pratique, les études. S'ils vont à l'université, il n'y a pas besoin d'aller prendre une voiture, ils peuvent prendre des transports en commun. Enfin, vous voyez, on a réfléchi un peu comme ça. Et à l'époque, il y avait plein de projets de construction qui se faisaient. Et il y avait notamment le quartier du bois qui se construisait. Donc on s'est renseigné dans différents organismes qui faisaient des constructions. Et il y avait une coopérative qui s'appelait une coopérative HLM qui construisait des logements sur le quartier du bois. C'est là qu'on a décidé d'acheter sur plan. Donc c'est là qu'on s'est installé et on est arrivé en 75. Mais donc ce système de coopérative, c'était un peu particulier aussi. Alors on payait sur 25 ans. Et c'était relativement abordable.
Parce que moi, mon rêve, ça aurait été d'habiter un Séroc. Parce que la nounou de mes enfants, après avoir habité en HLM, elle avait acheté un Séroc à Montmorency. Ouais. Et je trouvais que les Sérocs étaient vraiment, c'était vraiment le rêve. Parce que le plein pied, bien construit, bien conçu. Et puis, comme le quartier se construisait, tout le monde est arrivé en même temps. On est tous arrivés avec des enfants jeunes. Et maintenant, on est... alors, sur la placette où j'habite, moi, on est 4 arrivés depuis 1975. D'accord. Alors, effectivement... Les gens ont vieilli avec les gens ont vieilli. Maintenant, on est tous grands-parents. Alors, en 75, mon fils est né en 68, donc il était jeune, et ma fille est née en 72. Mon fils a fait sa scolarité à Montmorency, parce que la nounou était sur Montmorency. Et puis, quand on a déménagé au quartier du Bois, bah, ma fille, on ne l'a pas laissée à Montmorency, quoi. Elle est allée à Fresnay. Enfin, elle a terminé la maternelle à Montmorency, mais elle a fait le primaire à Fresnay. Ce qui était un choix de votre part, l'école ouverte ? C'était pas au départ un choix, parce que moi j'avoue que je ne connaissais pas, avant de connaître cette école, moi je connaissais pas du tout cette pédagogie. Et c'est vrai que quand j'ai découvert l'école, j'ai trouvé ça extraordinaire. Que l'enfant avance à son rythme. L'école était ouverte. Et le samedi matin, c'était la présentation. Les parents venaient et on voyait ce que les enfants avaient préparé dans la semaine. Ils avaient un petit journal. Le chant des grillons, parce que les enfants faisaient un texte, et puis toute la classe votait pour le texte. Et le texte qui était élu avait droit de paraître dans le chant des grillons. Alors, voilà. Ensuite, il se passe un événement dans votre vie. En 1985, on a un coup de fil, 4 heures du matin. Un policier nous dit, il faut que vous veniez chez vos parents. Votre sœur a eu un accident. Et alors, il nous a annoncé que ma sœur et mon beau-frère étaient décédés dans l'accident de voiture. Les enfants étaient avec eux dans la voiture. Mon neveu, qui était petit, 3 ans et demi, grièvement blessé, il avait été transporté à Paris. Alexandra, qui avait 8 ans, à peu près 8 ans et demi, moins... grièvement blessé, mais quand même, bon, c'était quand même sérieux. Et puis bon, choqué forcément. Et voilà. Alors se poser la question, que va-t-il se passer pour les enfants ? Avec mon mari, on n'a pas hésité une seconde, on a dit, mais ils vont venir à la maison. Moi, je travaillais avec ma sœur, elle travaillait dans le même service que moi. On se connaissait bien, et on n'est que deux. On est deux filles. Donc, ils vont venir à la maison. Mais ça n'a pas été sans complications. Déjà, vos enfants étaient nettement plus âgés à cette époque-là ? Mais oui, parce que mon fils avait 16 ans et ma fille 13 ans. Et c'est difficile, c'était très très difficile. Alors, voilà. Sinon, vous disiez que votre mari, finalement, était d'origine russe. Oui, et ukrainienne. Lui aussi, parce que vous-même, vous êtes d'origine ukrainienne. Ukrainienne, quel est votre nom de jeune fille ? Drimalovski. Et étonnamment, vous vous êtes retrouvés Kozlik, toutes les deux. Alors, avec une différence dans l'orthographe. Parce que Alexandra, il y a un S et un E en plus. Mm-mm. Voilà. Et quand on s'en est aperçu, vous avez épousé des homonymes. On a presque des homonymes qui. Oui, parce qu'ils ne sont pas du tout de la même famille. Alors, rien à voir. Mais ceci dit, d'origine ukrainienne, quand même des deux côtés. Mon beau-frère, oui, le mari de ma sœur, était aussi d'origine ukrainienne, avec des parents qui étaient venus avant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à cette époque-là, la Première Guerre, il y avait eu tellement, tellement de morts en France qu'il y avait besoin de personnel pour travailler dans les fermes, dans les usines, dans les... Et ma mère est arrivée en France pour travailler dans une ferme. Dans le Calvados, mon père est arrivé aussi en France. Lui, il est arrivé dans la Haute-Saône, son premier lieu. Mais voilà, il avait déjà ses sœurs qui étaient ici en Normandie.
Et après, c'est vrai que les gens se mariaient souvent Eh ben entre oui, parce que communautés. si vous voulez, bon, la rencontre avec mon mari, ça s'est trouvé comme ça. C'était pas un choix déterminé. Alors ma sœur, ben, je pense que c'est la même chose, si vous voulez, parce qu'à force de forcément à fréquenter des gens de la même origine, je pense que des fois on reproche aux immigrés de se retrouver entre eux. Moi, je trouve ça un peu difficile. Faut savoir ce que c'est que la position d'immigré. Ma mère, quand elle est retournée dans son pays d'origine, elle n'était pas chez elle non plus. On lui a fait sentir qu'elle n'était plus de là-bas. Et ici, on lui faisait sentir aussi qu'elle n'était pas d'ici. Vous imaginez un peu ce... Et puis les gens, quand ils viennent ici, c'est pour travailler. Leur idée, c'était d'avoir de l'argent et de repartir. Et vous, en tant que deuxième génération, vous sentiez encore cette différence ou vous sentiez intégré? Non, je ne sens pas la différence. Non, parce que c'est la même couleur de peau, je crois. C'est surtout ça. Parce que si j'avais pas la même couleur de peau, je sentirais la différence. Et la différence, quelquefois, c'est quand vous donnez votre nom. Ben, vous restez marqué. Mais moi, je revendique mon origine ukrainienne. Mais c'est pour ça, Hérouville, c'est un vrai melting pot. Absolument. Absolument. Mais moi, je trouve que la fête des communautés étrangères, c'est extraordinaire. Si on est de bon sens, on peut vivre ensemble. À condition que, bon, on respecte l'autre. Mais nos propres traditions, c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Il ne faut pas faire subir aux autres, ben non, ce qui nous concerne pour nos origines, c'est chez nous. C'est pas ça pas retentir sur l'extérieur. Il y avait donc cette école de musique qui était dans notre quartier d'ailleurs, qui était dans le quartier du Bois. C'était pas trop cher, quoi, parce que le conservatoire, d'abord, c'était un peu élitiste, puis fallait aller à Caen, c'était compliqué. Et puis moi, je trouve que l'apprentissage de la musique, c'est important. Moi, j'ai jamais appris la musique, parce que ben mon école à la campagne, il y avait pas d'apprentissage de la musique. Et je suis pas allé au collège, donc j'ai pas fait de la flûte avec. Mais je trouve que la musique, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose d'important. Sauf mon neveu, tous les trois, on fait de la musique. Mon fils a fait de la trompette, ma fille, elle a fait du violoncelle et ensuite de la flûte traversière. Et Alexandra a appris la guitare. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et c'était très abordable. C'était abordable pour toutes les familles. J'ai même fait partie à un moment, de l'association des amis et parents de l'école de musique, là. Au départ, il y avait ben, les immeubles, le centre commercial. Et puis, bon, quand Carrefour est arrivé dans les années 70 et quelques, je pense, au C'est début des années 70, 76. alors c'est vrai que ça a amené quand même non seulement le Carrefour en lui-même, mais toutes les boutiques qu'il pouvait y avoir autour. Bon, ça, on n'était pas obligé d'aller à Caen pour acheter une paire de chaussures, quoi, vous voyez? Puis plus de médecins se sont installés aussi, des spécialistes. Bon, le recours à la ville de Caen était quand même moins important. Moi, je vais pas forcément à Caen très souvent. Puis on a le bois de l'Élysée, qui est quand même un espace vert, bon, qui a été conservé à un moment. Il me semble qu'il y avait un projet de faire un cimetière. La grogne, hein, les gens n'étaient pas Les d'accord, hein. habitants ont toujours été militants. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est arrivé dans une ville où tout était à construire et qu'il y ait des choses, fallait réclamer pour avoir les choses? Mais c'est vrai qu'il y a une mentalité particulière sur Hérouville, je pense. Ça a bien évolué parce que c'est devenu une ville vivante. Ça n'est plus une ville dortoir.